Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer ma collection Réponse. Donc elle est éparpillée un peu partout dans l'appartement. Je vais essayer de ne rien oublier et de vous donner quelques explications s'il y en a à voir. Et puis c'est parti. On y va. Alors on va commencer par les deux poupées qui sont là au-dessus. Alors il faut savoir que ma collection a un peu bougé depuis quelques temps, mais ça c'est le principal qui me reste. Moi j'ai la Singing. Voilà. Qui ne veut pas se taire. One eternity later. Maintenant qu'elle a fini. Alors j'ai la grande version Singing. Alors celle-là malheureusement je ne pourrais pas vous la faire chanter parce que... Oui, donc je disais parce que je l'ai reçue qu'elle ne chantait pas et qu'en voulant changer les piles, on a un petit peu enfoncé la vis dans le dos. Mais bon, voilà, comme ça vous pouvez voir à quoi elle ressemble, elle est vraiment magnifique. Hop. Alors ensuite, j'ai ma vitrine. Voilà. Avec mon fameux qu'à chaque fois, je vais peut-être ouvrir la porte. Hop. Voilà. Que à chaque fois on me demande si je l'ai, mais oui, je l'ai, les gars, je l'ai, elle est là. Le Jesters, hein, qui est en édition limitée. Avec donc un numéro en dessous. Et donc j'ai le numéro 2267. Ça, c'est un de mes cadeaux de Noël anniversaire de cette année-ci, ne me demandez plus quoi. Donc la chaussure. Donc la chaussure, le Infinity, les Tsum Tsum. Alors celui-là, c'est Béa qui me l'a offert dans le swap. Celui-ci, je l'avais eu dans un autre swap. La tasse que j'avais ramenée quand j'étais partie aux USA, qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec la petite phrase derrière. Hop. Voilà. Alors, le sac hein, qu'on m'a offert aussi. La petite version que je me suis m'étais achetée la dernière fois. Avec. On descend d'un étage, hop, avec la grande qui est là. Qu'on m'a offert encore une fois pour Noël, anniversaire, ne me demandez plus quoi, un des deux. Ça aussi. En fait, je n'ai quasi que des cadeaux là-dedans. Hein. Donc, ça aussi, c'est un cadeau. Hop. Donc, ça aussi, c'était un cadeau. Ça aussi, c'est un cadeau. Avec mon nom marqué dessus. Alors, les cuposquettes, hein, donc il y avait celle-là, mais il y a aussi ces deux-ci. Sachant que les cuposquettes, il y en a encore plein qui sont sortis, qu'il va falloir que je me les prenne et que j'ai plus de place. Respire, Flo, hein? Alors, ceci à la base, c'est une suspension que j'avais achetée au Disney Store, mais je ne sais plus si où je l'ai acheté, je crois que c'était à Londres. Mais j'ai enlevé, vous voyez, il y a un trou là derrière, donc j'ai enlevé l'option de le mettre en suspension, parce que je trouve ça plus joli. Ici, pareil, donc ça c'est une suspension. Encore une fois, elle fait de la musique quelque part, ici. Voilà. Eventually. Donc, maintenant qu'ils ont fini de pousser la chansonnette. Donc pareil, celui-là à la base, c'était une suspension puisque vous voyez qu'il y a un trou dans la tête de Flynn hein, et que ça se présente comme ceci. Alors ça aussi, ça faisait partie d'un swap que j'avais fait ben, quand j'avais eu le Tsum Tsum. Ouais, la boule à neige qui vient de chez Disney. Voilà, la boule à neige. Hop, on redescend d'un étage. Alors le couple aussi, hein. Donc celui-là, il est magnifique. Les Funko, hein. Donc, oui, il m'en manque une, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai. Donc, avec Pascal et sa... Ah non, c'est pas celle-là. Parce qu'il y en avait une version, oui, c'est vrai, c'est avec Pascal Rouge. Donc, avec Pascal et son pinceau, hein. Puis j'ai Maximus, et Réponse avec ses fleurs dans les cheveux. Alors après, il y a un peu de tout, hein, donc... Donc, je disais, pas mal d'autres trucs aussi. Donc ici, c'est une mini Animator. Ça, ce sont des... Alors, ne me demandez pas la marque exacte, c'est un truc japonais. J'ai une mini cuposquette aussi. Je ne l'allumerai pas, mais encore une qui fait de la musique. Ça, c'est des figurines. Ce sont des figurines diverses. Hop. Hop.
J'en ai une suspension que je ne suspends pas. Ça, c'est une Candy Rock. Ouais, Candy Rock. Voilà. On passe à la suite. Alors, à la suite, ça, c'est une de mes plus belles pièces. C'est un tableau qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Regardez-moi ça. Il est vraiment joli. Alors, à côté, j'ai la figurine édition limitée avec les lanternes qui s'allument. Je ne sais pas si il faut appuyer quelque part, je ne sais jamais où. Voilà, sur son ventre, hop, ça s'allume. Bon, il fait jour, hein, donc ça se voit pas. Normalement, la lanterne s'allume aussi, mais je ne sais pas où, par contre. Et voilà. Et puis, j'ai ça aussi. Oh, j'ai ça aussi. Donc ça, c'est une lithographie qui fait partie de toute la collection là, qu'il va falloir un jour que je fasse du tri aussi, mais une lithographie édition limitée. Et alors, j'ai les poupées édition limitée. Donc ici, j'ai la version... Alors, c'est une version un peu spéciale parce que ça la vaut très très cher. Et je n'ai pas le fond, ni le certificat d'authenticité. Parce que la fille qui me l'a... vendu ne l'avait plus. Du coup, je l'ai eu moins cher. Et je voulais les poupées, donc en soi. Hein. Donc voilà. Elles sont vraiment super jolies. Hein. Alors naturellement, j'ai l'animator. Hein. Alors je n'en ai qu'une seule, la version animator. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas prendre les 36 millions parce que la robe est différente. Une, ça me suffit. J'ai aussi avec Gothel. J'ai également Flynn, qu'on m'a offert. Et alors, j'ai celle-ci aussi, de designer. Donc j'ai le château. C'est que si vous me suivez sur Instagram, vous aurez vu le déballage. Donc les portes qui s'ouvrent, la lumière qui s'allume et tout le toin-toin, hein. La lumière s'allume là, voilà, c'est magique. S'allume là aussi, avec réponse qui est là. Hop. Alors j'ai la Funko Pop, j'ai la Funko Pop qui manquait dans l'armoire, hein, la dernière en date. À moins qu'il y en ait encore une qui soit sortie à l'heure où je posterai ce truc là. Et donc c'est celle avec la lanterne et les... fleurs dans les cheveux, j'essaye, voilà, comme ça. Donc ceci. J'ai ceci aussi. On va ouvrir. Alors j'ai ceci aussi. Hein. Ça c'est le livre. J'ai la Ninodroïde qu'on m'a offerte. Aussi. La, une des dernières suspensions qui sont sorties. Alors j'ai un verre en plastique hein, qui vient du DS japonais perdu dans mon armoire à manga avec le dessin que j'avais acheté à Paris Manga. Et alors après j'ai tous les pins aussi. Bon, ils ne se sont pas spécialement tous des officiels, hein, comme vous pourrez le constater. Il y en a certains qui viennent des USA, notamment celui-là qui me plaît beaucoup. Celui-là, il vient du Japon. Mais j'ai aussi des fantaisies dedans. Hein, donc celui-ci, non pas celui-là, mais celui-ci par exemple. Le pin trailing. Alors après, je vous avoue qu'il est probable, même très probable, que je ne vous ai pas tout montré, puisque j'ai beaucoup de choses qui sont disséminées un peu dans l'appart. Genre, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais là, il y a un Pascal. J'ai des petits pins comme ça, enfin des badges plutôt, qui viennent de Wistful. Donc celui-là et ces deux-ci. Et donc je disais celui-là et ces deux-ci. Que j'essaye de montrer correctement, plus ou moins, enfin voilà, hein, vous avez l'idée. Hein, hop, il y a celui-ci. Et j'ai celui-là. Il faudra que je trouve des endroits où les mettre, parce que pour l'instant, ils sont en train de prendre la poussière.
Bien sûr, ils sont en train de prendre la poussière. Ouais, donc j'essaye de regarder vite fait si j'ai pas encore d'autres trucs à vous montrer, mais je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, j'ai encore un truc que je vous ai pas. Enfin, si, vous l'avez vu, mais. Enfin, voilà, ça c'est le truc que je sais pas vous montrer vraiment, c'est le truc que j'ai sûrement en permanence. Ça c'est la collection Réponse qui est un peu disséminée partout dans l'appartement. Alors, la prochaine vidéo. Je pense que je vais essayer de monter la vidéo que j'avais faite pour HelloFresh il y a 2 ou 3 mois. Oups. J'aimerais également vous montrer ma collection Sakura. Ça pourrait être sympa. Donc en fait la collection Sakura elle est là-bas. Elle est encore une fois disséminée un peu partout dans l'appartement. Et puis la collection... Sailor Moon, ça pourrait être sympa aussi. Je ne sais pas encore trop, je verrai bien. Mais ouais, je vous ferai une vidéo. Salut.